la forêt vivante, une région enveloppée d'une magie ancienne. En son cœur, la forêt de Felrea. Les arbres murmuraient des secrets au vent, les rivières vibraient d'une énergie brute, l'air résonnait d'un pouvoir indicible. C'était un lieu d'émerveillement, un lieu de paix, un lieu pour lequel il valait la peine de mourir. La forêt était vivante, pas seulement avec des animaux et des plantes, mais avec la magie elle-même. Elle pulsait à travers chaque feuille, chaque racine, chaque pierre. Cette magie était ancienne, puissante, et elle était en danger. Vald était un clerc, gardien des traditions, fort et intrépide. Sa dévotion était sa vie. Il protégeait la forêt de chaque souffle. Alnar était différent, un ensorceleur de lignée féérique et sorcier d'un esprit de la forêt d'une puissance inégalée. Il commandait la magie de la forêt. Avec leurs camarades de la main, Ilana, Atalys, Jindo, avec le soutien des agents de l'Ordre Rouge, Corvo, le magicien, Odessa, la gnome guerrière, le Bretin, l'elfe rôdeuse, Néphélé, la copine d'Alnar et magicienne. Les amis de feu Enna, Silly, le barbare Hobgoblin, Odin, l'elfe moine, Artemis, la gnome magicienne, Sagan, le tiefelin roublard, Wagner, l'aile de rôdeur. La guilde du gobelin libré avec Gilly, le gobelin druide, Pérégrine le gnome roublard, Morgana, l'alpheline roublarde, Chalet le sorcier et Tobias le nain roublard. Ils étaient membres de l'Ordre Rouge, une puissante organisation de l'Empire minéen, ayant juré de protéger la forêt vivante. L'Alliance sacrée, leur devoir, leur vie. Un nouveau danger menaçait la forêt. Une armée de morts vivants. Ils marchaient depuis l'Est. Leurs yeux brillaient d'une lumière impie. Ils convoitaient la magie de la forêt. Ils voulaient tout consumer. Derrière cette armée se cachait un culte obscur. Ils vénéraient un mal sans nom. Ils cherchaient à vider le monde de sa magie, à le plonger dans les ténèbres. C'était une menace sans précédent. L'avertissement du messager. Gilly, le druide gobelin du fort. Il arriva aux abords de la forêt, blessé et épuisé. Il portait un avertissement. Les morts vivants approchaient. Ils étaient plus forts que jamais. Il avait vu leur puissance. Il avait échappé de justesse à la mort. Gilly parlait d'une force puissante, une main invisible guidant les morts vivants. Quelqu'un était derrière cette invasion. Quelqu'un avec une puissance immense. Mais qui ? Le calme avant la tempête. La forêt était silencieuse, trop silencieuse. L'air était lourd de pressentiments. Vald aiguisait sa foi, le visage sombre. Alnar chantait, puisant sa force dans la forêt. Le calme avant la tempête. Elle approchait. Le destin du monde reposait sur leurs épaules. Ils connaissaient les risques. Ils embrassaient le danger. Ils étaient les protecteurs de la forêt vivante. Ils feraient une face aux ténèbres, jusqu'à leur dernier souffle.